Serge Fitz, bonjour. Bonjour. On vous a entendu parler de grande mutation. La grande mutation, qu'entendez-vous par là? La grande mutation, c'est le tournant. Le tournant, le passage, pourrait-on dire, d'une civilisation à une autre. À une civilisation nouvelle. De quoi il s'agit? Ce passage repose sur deux découvertes fondamentales. La première est que la conscience est créatrice de l'univers. Ce qui me fait dire cette petite phrase, que la conscience, qui se croyait une spectatrice, se découvre des talents d'actrice. Donc une conscience créatrice de notre univers. La deuxième découverte, qui nous vient de Russie, des physiciens de pointe russes actuels, est que dans les couches les plus subtiles de la matière, on trouve de plus en plus de vide et de plus en plus de conscience. Et que, au stade le plus élevé, il y a le vide absolu. Et dans ce vide absolu, dans cette notion du « je ne sais rien » qui m'est aussi cher, arrive l'intuition, l'inspiration qui fait que la connaissance arrive au juste moment. La grande mutation implique le développement des facultés du lobe droit qui sont en friche dans notre civilisation et également le développement des facultés extrasensorielles. Et c'est la mise en pratique de tout cela qui constitue la grande mutation. Merci. Voilà, dans les très grandes lignes. Merci Serge Fitz. Merci à vous.